Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour un review du premier Dinobot Power the Primes que j'ai. Il s'agit du Deluxe Slug. Donc on va commencer comme d'habitude par la boîte, qui a, comme d'habitude, le logo Transformers ici en rouge sur fond noir. Le logo Generations ici, une image du mode alternatif de Slug Power the Primes, classe Deluxe 8 ans et plus. Et ici, une image de Slug qui n'est pas dans son mode robot, mais dans son mode Dino, tout simplement. Parce que c'est le mode le plus emblématique des Dinobots. Car dans le dessin animé, je pense qu'on les voit beaucoup plus souvent dans leur mode dino que dans leur mode robot. Du moins, maintenant, c'est plus ce qu'on a tendance à voir. Ce qui est normal, en même temps, un robot, il y en a partout, c'est censé être un show Transformers. Alors que des dinosaures mécaniques, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà. Sur le côté, nous avons une image de Volcanicus, le mode combiné des Dinobots. Qui donne beaucoup mieux comme ça qu'en vrai, même si en vrai je trouve que l'idée est très sympathique. Derrière, nous avons donc la petite bio qui dit « Comment le fougueux guerrier Dinobot utilisera-t-il la puissance des Primes ?» Ce qui n'est pas une bio, mais c'est pas grave. Les images du robot et du mode alternatif, il se transforme en 12 étapes, super. On dit qu'il a une armure des Primes et qu'on peut mettre dedans Micronus, Vector Prime ou Liège Maximo, ça tombe bien, je vais présenter avec Liège Maximo. Tout simplement parce que sur sa carte, il y a ici le symbole Liège Maximo. Bon, aussi parce que c'est le seul que j'ai pour le moment, mais ça tombe bien que ce soit Liège Maximo Slug. Donc sur cette carte, nous avons Power of the Primes, le symbole du Prime associé avec cette carte précise, et le même artwork de Slug, qui est très joli, qui crache du feu, c'est sympa. Logo Autobot, évidemment. Et ici donc, Liège Maximo Slug, peut pousser n'importe qui à se battre. Oui. Oui. Bon, c'est pas forcément utile s'il trouve quelqu'un de plus fort que lui et que ce pouvoir s'active sans qu'il le veuille. Mais sinon, pourquoi pas, s'il est sûr de gagner, ça peut être un pouvoir assez sympathique. S'il arrive même à faire pousser Perceptor à se battre, ça peut être bien. Et donc, dans cette boîte, nous avons évidemment Slug. Et donc, le voici dans son mode Triceratops. Alors, je vais dire tout de suite, j'étais pas spécialement chaud pour ce Slug au départ, voyant son mode alternatif, et je suis toujours très mitigé quant à son apparence, que je trouve légèrement ratée. Normalement, Slug est mon Dinobot préféré, tout simplement parce que j'adore les Triceratops, j'adore le style qu'ils ont, et la transformation est plutôt sympathique. Mais là, je dois dire que il est un petit peu raté dans son mode alternatif. Donc, pour faire un petit peu le tour, on a du gris plastique, pas vraiment le gris plastique basique plus clair qu'on a, qu'on peut avoir d'habitude, mais un petit peu plus foncé, mais il semble pas non plus de la plus haute qualité. C'est dommage. Mais bon, les Dinobots sont gris de base, donc c'est normal, on s'y attendait. Ça aurait été bien que tout soit silver, comme cette partie-là qui est entièrement peinte, mais bon. Et donc justement, parlant de peinture, on a un petit peu de noir ici. On a ici une pièce complètement transparente qui est peinte en doré dessous, ce qui est génial, avec des peintures rouges ici. Et en fait, cette peinture dorée qui se retrouve aussi ici sous la pièce transparente de la queue et à l'intérieur ici, ça rappelle tout simplement le doré qu'il y avait sous les pièces translucides des G1. Et on va voir qu'en fait, c'est une ode à la G1, ce Dinobot est tout simplement une reproduction du G1 qu'on peut voir aussi avec les tempographes, là, qui sont très jolis, très bien faits. Beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux que les stickers qu'on avait dans les dernières vagues de Titans Return. C'est un détail sympathique, mais bon, je pense qu'un petit peu plus de peinture, par exemple argentée, aurait très bien remplacé ce petit détail-là. Mais après, ce n'est que mon opinion. On a un logo Autobot ici, les cornes qui sont en plastique rouge tout simple, qui ne sont pas pointues parce que faut faire gaffe, c'est quand même des jouets pour des enfants. On a les pieds ici qui sont peints en doré, ouais ce sera les pieds, hein, spoiler,
mais qui sont creux dessous, c'est dommage étant donné que c'est l'avant. Bon, ça fait comme des aérations, après tout c'est un dinosaure mécanique, donc il peut avoir besoin d'aération aussi. En dessous, on voit CE ici, sympathique, merci de le noter. Le port combiner, parce que oui, maintenant les Dinobots se combinent, je trouve que c'est une bonne idée, mais tout le monde n'aime pas. On voit les cuisses, évidemment, ça reste un Dinobot, donc la transformation est assez simple. Ce Dinobot a quelques articulations, évidemment ça n'est pas digne de ce que fait Fanstoys chez ses Dinobots, mais bon. La tête ne peut pas vraiment bouger, sauf si on la détache, sauf si on l'enlève de l'emplacement où elle est, c'est-à-dire juste posée comme ça, donc elle peut monter. Voilà, jusque là, ça lui casse le cou, sinon on peut aussi monter comme ça. C'est pas trop mal, mais bon. La mâchoire peut s'ouvrir, mais l'axe est très éloigné de là où devrait s'ouvrir la bouche, c'est-à-dire à peu près ici, tout simplement pour la transformation. Ce qui fait qu'il vaut mieux la laisser fermer, tout simplement. On a ensuite les pattes avant qui sont sur le ball joint, qui peuvent faire un 360, qui peuvent aller entièrement vers l'extérieur. Ça pivote à cet endroit-là. Et on a une sorte de ratchet souple à cet endroit-là. Et pour les pattes arrière, on peut quand même les bouger comme ça. Et ainsi, mais c'est plus pour la transformation, même si ça révèle quelques détails très sympathiques à cet endroit-là. Voilà, ça devrait être la norme, mais j'ai trouvé que ça donnait bien. Et au niveau de la queue, on peut juste la baisser un petit peu, mais ça, c'est un petit peu moche, donc il vaut mieux la laisser comme ça. Donc, le dino est assez statique, et comme je disais, ben, ça n'aide pas forcément le fait qu'il ne soit pas super joli. Ce que j'aime pas déjà, c'est le fait que les pattes avant soient beaucoup trop longues par rapport aux pattes arrière. Bon, comme vous voyez, on peut très bien les avoir arquées comme ça, ou encore plus repliées pour que ça donne un petit peu mieux. À peu près comme ça, mais c'est pas trop ça, on voit bien que les pattes sont très longues par rapport aux pattes arrière, ce qui est vraiment dommage je trouve, ça aide pas du tout à ce que le Triceratops soit plus joli. Ensuite on a la collerette qui aurait pu être dorée, je pense, hein, avoir un petit peu plus de peinture dorée comme ici, à cet endroit là ça aurait été vraiment un gros plus, enfin ça aurait dû être normal, voilà, et puis surtout elle est très en arrière et relativement petite, elle aurait dû être selon moi, plus plate, plus à angle droit par rapport à la tête tout simplement, et un petit peu plus grande parce que là, ça fait plus comme des plumes que comme une grande collerette. Ensuite les cornes qui sont rouges comme ça, c'est ça va, mais j'aurais préféré qu'elles soient un petit peu plus vers le haut, plus pointues, enfin pas forcément plus pointues, mais plus vers le haut plutôt que vers l'avant. On peut les bouger un petit peu je pense, bon sur le mien je les ai pas bougés, je les ai jamais bougés, je les bougerai jamais, donc ça me dérange pas. Voilà. Mais donc oui, ce mode Triceratops, je trouve, n'est pas le plus beau, la tête n'est pas la plus jolie. C'est vraiment ce que j'aimais pas avec les pattes avant, c'est ce que j'aimais pas trop quand j'ai vu les premières photos, et c'est toujours ce que j'aime pas trop, c'est pour ça que je le laisse plus souvent en mode robot. De toute façon, parce que j'ai pas la place d'exposer mes transformations en mode alternatif. Sauf Skylinks qui prend moins de place quand il est debout en mode alternatif, mais c'est une autre histoire. Mais c'est pour ça que je le laisse plus souvent en mode robot, parce que je le trouve plus joli en mode robot qu'en mode Triceratops, qui m'a un peu déçu. Alors on peut voir qu'il a ici et là des ports 5 mm ainsi que là, qui permettent d'accrocher les accessoires, qui sont donc les suivants. Un fusil qui est plutôt sympathique, et l'armure de Prime, et une épée qui apparemment est invisible et a été oubliée dans le paquet. Je pense que c'est juste une erreur d'assemblage. Hein. Ils ont juste oublié de mettre l'épée dans le paquet. Ils voulaient mettre une épée à la base avec tous les Dinobots parce que c'est quand même l'arme principale de tous les Dinobots. Tous les Dinobots ont toujours eu dans G1 une épée avant d'avoir une arme à feu de poing. Voilà, donc vous voyez que ça me vexe un petit peu de ne pas avoir d'épée avec Slug. Il y en a qui ont, il y a des Dinobots, Power of the Primes, qui ont des épées, mais j'aurais préféré que tous aient une épée plutôt qu'un fusil. Même si le fusil est joli, hein, j'aime bien le fusil, mais j'aurais préféré vraiment qu'ils viennent avec une épée. Donc, on peut venir, ah oui, on a aussi un port 5 mm ici, donc là, là, là et là. Donc par exemple, on peut venir mettre le canon ici, et l'armure des Primes est censée se mettre tout simplement comme ceci. Et ça, c'est moche. Mais c'est plutôt sympa, pour la bonne raison que par exemple on peut justement utiliser le trou qui est dans le pouce pour pouvoir mettre l'arme dedans et faire comme une tourelle. C'est un petit peu
comment, c'est un petit peu articulé, c'est pas mal. Mais surtout, on peut enlever ceci, donc il va pouvoir faire un canon en mode comment, en mode robot, une sorte de petit pistolet transparent, plutôt sympathique, pour venir y mettre donc un Prime Master, donc ici Liège Maximo. Et là, en le faisant s'asseoir dedans, enfin à peu près, en le posant en position assise, comme ça, on peut faire un petit peu Dino Rider. C'est pas mal, j'aime bien l'idée, on peut même simplement venir retourner comme ça. Peut-être même sortir les doigts qui sont dessous, parce que, attention, ça fera une main pour le mode combiné. Donc on sort les doigts, on ramène comme ça, on referme, et on vient le poser comme ça. Et là, ça fait comme s'il y avait un mec qui était en train de chevaucher un dinosaure, et ça, je trouve que c'est très classe. Voilà, on verra l'autre intégration plus tard. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le mode dinosaure. On va pouvoir passer aux comparaisons, enfin, après 10 minutes. Mon Dieu, je mets de plus en plus de temps à faire mes vidéos. Donc, comparaison avec déjà un autre dinobo que je n'ai pas présenté sur ma chaîne, je crois. Je ne sais plus. Il s'agit du Fall of Cybertron Voyager Class Grimlock. Et niveau taille, niveau échelle dinosaure, je crois que c'est pas trop mal. Ça doit être à peu près bien. Mais évidemment, ce n'est pas le même univers, donc déjà les couleurs ne vont pas très bien, ne vont pas forcément bien ensemble. Ça va, ça reste à peu près bien, mais c'est pas trop ça. Mais évidemment, les détails et les formes ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas fait pour aller ensemble. Mais la comparaison qui est la pire, on va dire, c'est avec le Classics Optimus Prime, qui est donc un Voyager, et qui est pour moi, et comme pour beaucoup, je pense, le point de base des collections Classics, Generations et tout, donc les collections Chug. Le point de base, c'est le Optimus Classics, ou n'importe quel Optimus Voyager, en fait, qui fait office de référence. Et là, nous avons Slug, qui est donc en Deluxe Class, donc plus petit qu'un Voyager, et c'est là que c'est dommage. Autant, lui aurait pu être accepté comme ça, avec ses défauts, s'il avait été, par exemple, en Voyager, ou en Leader Class. Tout simplement parce que c'est la taille normale d'un Dinobot dans G1, mais pas en Deluxe. Voilà, ça pourrait convenir à la limite avec un Optimus Legends. Donc, maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer enfin aux différentes transformations. Donc on va commencer par le mode jambe, puis le mode bras, puis le mode robot. Donc, pour le mode jambe, c'est relativement simple. On prend les pattes, on les plie, et le petit peg qu'il y a ici va venir se mettre à l'intérieur. J'aime bien l'utilisation de cette obligation technique, en quelque sorte. Donc on vient mettre ça comme ça, on prend les pattes, on les ferme, enfin on les plie entièrement à 90 degrés, et ce petit trou-là va aller sur le peg qui est juste là. Il suffit de tourner et de mettre ça ainsi, comme ça. Ensuite, on prend la tête, c'est mieux, on prend la tête, on ramène comme ça, et ces petits crochets-là vont aller se poser là-dedans, donc, ainsi, voilà. Ensuite, on sort évidemment le port combiner, on prend la queue, on la replie, et là, on utilise un pied, donc par exemple, le pied qui lui servait à skydive sur mon Superion. Et voilà, nous avons un mode jambe, et ça, je trouve que c'est super stylé. Je pense que les Dinobots ont toujours eu un truc qui faisait qu'ils pouvaient se combiner sans problème. Leur forme même en mode dino faisait qu'ils pouvaient se combiner absolument comme une voiture dans Menazor, comme un Stunticon. Et ça, je trouve ça génial, le fait qu'ils aient utilisé enfin cette idée. Ça faisait très longtemps que les fans demandaient un combiner Dinobot, et je trouve qu'avoir vraiment le corps du dino avec la tête qui serve de genou, surtout une tête de Triceratops, je trouve que c'est très classe. Donc évidemment, hein, on a les mêmes articulations qu'un combiner normal, c'est-à-dire qu'on a le genou et après le pied qui peut tourner. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au mode bras. Donc, on va ramener ça comme ça pour le moment. On peut laisser ça ainsi, on peut laisser ça ainsi. Voilà. Ensuite, on prend les pattes et on les écarte. C'est juste pour pouvoir transformer plus facilement. On prend la queue et on sépare les deux côtés qui vont donc bouger sur cet axe-là, ainsi. Ce qui va nous permettre donc de prendre tout l'arrière
et de le déclipser. On a deux petits clips qui vont à l'intérieur des pieds. Voilà. On sort, ainsi. Et enfin, on prend les morceaux de la queue et on vient les remettre dedans. Et là, il y a des petits, des sortes de petites gravures ici qui vont se venir tout simplement s'accrocher sur l'encoche qui est à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. À peu près ainsi, on a une encoche pour mettre cette pièce-là dedans. Donc, comme ça. Et on peut reclipser la queue et remettre les pattes comme elles étaient en mode jambe, tout simplement. Voilà. Maintenant, on tourne le bassin, ce qui formera le bassin. Et on prend l'armure des primes, on sort les doigts, on fait ce qu'on veut avec les pouces, mais personnellement je préfère faire comme ça. Et donc, on peut mettre ainsi. Voilà. Évidemment, ce n'est pas le mode bras le plus joli, surtout à cet endroit-là, tout simplement parce que même si on a la queue qui donne vachement bien, ça fait un petit peu comme une sorte de flèche qui pointe vers la main, je pense que c'est mieux de prendre comme ça, dans l'autre sens. Évidemment, de retourner la main, ainsi. Donc comme ça, je trouve que c'est mieux, même si on perd les articulations que ça donne. C'est un petit peu dommage, mais ça donne mieux, c'est plus fermé, comme ça. Et au niveau de la tête, ce que je préfère faire, c'est ramener ainsi. De toute façon, si jamais ça tape quelque part, ça peut toujours partir comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est très sympa. Là aussi, le mode dino était quasiment fait pour un mode combiné, ainsi que la transformation. C'était une transformation relativement basique qui correspondait très bien à un mode combiné. Et donc, comme pour le mode dino, on peut évidemment enlever cette pièce-là et mettre un Prime Master, ici Liège Maximo, comme sur la carte, que l'on vient donc mettre là-dedans. Et là, on peut dire que ça donne un pouvoir au bras, tout simplement, ou à la main. Et je trouve ça super stylé, comme j'avais dit pour la review de Dreadwind. Donc on va enlever ça, on va enlever la main, et on va finir la transformation par le mode robot. Donc on remet ça comme c'était en mode dino. On sépare les jambes, et là, les jambes ne sont pas finies. Il faut en fait revenir ici, se écarter, et tourner les pattes arrière, ce qui va faire sortir cette pièce-là, qui va servir de talon. Donc on finit comme ça, et on fait pareil de l'autre côté. Comme ça, on sort le talon. Et on remet la queue ainsi. Et je trouve que cette histoire de talon est très bien pensée, tout simplement parce qu'à cause de la forme même du mode dino qui doit être très compact, on ne peut pas avoir ici un pied qui soit entièrement droit. Vous pouvez voir qu'à l'arrière c'est un petit peu biseauté, ça remonte vers le haut. Donc l'ajout du talon permet d'avoir quelque chose plus vers l'arrière, et la queue n'aurait pas suffi. Donc je trouve que cet ajout était nécessaire, mais très bien pensé quand même, ça permet d'ajouter une étape en plus. Donc pour continuer la transformation, on rentre le peg combiner, on sort les bras, on a les points qui sont cachés tout simplement dessous. Voilà. Pareil ici, on écarte, on sort les mains, enfin la main. Et maintenant on vient, on prend la tête. La tête du dino était comme ça, en mode dino tout simplement. Et donc on l'avance et on vient la clipser. Ça se clipse très très solidement dedans. Ça permet aussi à Colred d'être plus proche du corps. Peut-être pour des raisons de mise en boîte, même si le dos va beaucoup plus loin. Bon, c'est pas très grave. Et dernière étape, on ouvre la mâchoire pour révéler la tête qui est à l'intérieur de la tête du mode dino, ce que j'ai toujours trouvé très classe. Et nous avons enfin Slug dans son mode robot. Et c'est vraiment là que Slug est intéressant et joli. Il reprend très bien le mode robot du G1, mais en mieux, on va dire. La seule chose qui lui manque, vous pouvez le voir déjà, c'est les ailes à l'arrière qui auraient dû être créées par un axe qui passait là, par exemple. Quelque chose qui est comme moulé à cet endroit-là, mais qui n'a pas été fait. Bon. C'est pas très grave, d'ailleurs j'ai oublié de dire qu'on pouvait mettre un Titan Master ou un Prime Master à cet endroit-là. Mais sinon, je le trouve vraiment cool, très joli. Donc on va regarder la tête, qui n'est pas noire, mais une sorte de gris très foncé, que je trouve très joli, donc voilà. On a la mâchoire avec un logo Autobot qui aurait pu peut-être être entouré en blanc comme celui-ci, ça aurait été beaucoup plus joli je pense. Le torse qui est entièrement rouge sans aucune peinture.
les bras qui sont gris, donc les mains noires sans aucune peinture non plus, les cuisses qui, elles, ont dû être moulées dans cette couleur-là qui est encore très jolie, avec de l'argenté ici, ce qui est toujours apprécié. On a ici toujours les tempographes et les pieds dorés. Voilà. Donc je le trouve joli. Comme j'ai dit, le fait qu'il n'y ait pas les ailes fait aussi qu'on a une coque des deux côtés là, ce qui est un petit peu dommage. Mais il reste quand même très sympathique. Concernant les mouvements, la tête peut tourner, mais il faut en fait appuyer sur les côtés pour pouvoir la faire tourner comme ça. Donc on peut la faire tourner que jusque là. C'est étant donné qu'il y a la tête autour et qu'on ne peut pas enlever la tête du dino pour faire tourner la tête du robot. Les bras, c'est comme pour le mode dino, ça tourne comme ça, ça peut aller entièrement vers l'extérieur. On peut tourner à cet endroit-là. On peut plier le coude à 90 degrés. La main ne peut que se rentrer à l'intérieur du bras comme pour la transformation. Les hanches tournent comme ça, mais l'axe est encore une fois déporté vers l'arrière par rapport à l'axe des hanches, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est utile pour le mode combiné. On peut ramener les jambes entièrement vers l'avant, entièrement vers l'arrière, entièrement, enfin pas entièrement sur le côté que jusque là, mais c'est relativement suffisant pour un Dinobot. On peut tourner entièrement ici, ça se plie seulement en dessous de 90 degrés à cause de la queue, mais si on prend la queue par exemple et qu'on la bouge comme ça, on peut pas ramener plus en arrière, donc il faut vraiment bouger ça et prendre la queue, la ramener ici pour avoir plus de mouvement, mais dans ce cas-là, c'est moche, tout simplement. Donc voilà, ça peut plier en dessous de 45 degrés au niveau des genoux, et évidemment aucun mouvement au niveau des pieds, simplement à cause du fait que c'est une seule pièce à cet endroit-là. Voilà. On peut donc lui donner évidemment ses armes, donc mettre le fusil comme ça qui donne très bien, et l'armure des primes qu'on peut par exemple mettre comme j'avais mis sur Dreadwing, c'est-à-dire comme ça, et comme ça pour lui faire une sorte de grosse main, ou alors justement en armure des primes, donc pour ceci on laisse le peg comme ceci, on referme les doigts, on vient mettre ça de côté, par exemple le donner dans sa main pour lui faire un deuxième pistolet. On prend Liège Maximo, on le met dedans, ou n'importe quel Prime Master ou Titan Master si ça vous chante. On met là-dedans, et voilà. Comme sur Dreadwing, c'est ridicule, mais niveau fiction, on peut faire quelque chose d'assez classe. Ce que j'aime bien. Et donc, on peut évidemment l'enlever et le mettre en arrière, donc dans le dos. Comme ça, ou même comme ça, voilà, ce qui est pas trop mal, ça gêne pas beaucoup. Vous pouvez voir depuis tout à l'heure qu'il est en train d'un petit peu se balancer, parce que malgré ses talons, il peut parfois un petit peu avoir tendance à tomber. C'est dommage, mais c'est comme ça. Parlons de Dreadwing par rapport à l'armure des Prime, le voici en comparaison, et vous pouvez voir qu'il fait une taille respectable pour un de luxe, ça va, étant donné qu'il a des pieds qui sont quand même très grands, c'est correct. Ensuite, donc, avec le précédent Dinobot avec lequel je l'avais comparé, Grimlock Fall of Cybertron Voyager, qui est relativement grand, mais complètement vide au niveau des jambes et des bras, donc bon, c'est... ça va. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le même univers, donc c'est pas très grave. Et aussi, à côté, évidemment, d'Optimus Prime. Et là, Slug est évidemment beaucoup trop petit. En fait, avec l'Optimus Prime Legends de 2014, de Transformers Fang 30, ça aurait été beaucoup mieux. Mais je n'ai pas celui-ci, je n'ai que la redéco en pipes. Enfin bref, donc, au final, je trouve que ce Slug est très sympathique. Il a quelques défauts et n'est pas parfait. Mais étant donné que c'est le premier, je crois bien, je suis à peu près sûr que c'est le premier Generations Slug, ou enfin Slag normalement, qu'on a, donc c'est pas mal. De toute façon, je pense qu'il va y avoir des knock-offs qui vont être faits en plus grand, ou sinon acheter third party si vous voulez un Slug qui est à la bonne échelle, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Si vous pouvez le trouver, allez-y si les Dinobots vous intéressent. S'ils ne vous intéressent pas, ce n'est pas du tout la peine d'aller dessus. Ce n'est pas un jouet qui est très très intéressant en tant que tel. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas où j'ai rangé la boîte. Voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu et vous aura informé sur le slug Power of the Primes de Luxe Class. N'hésitez pas à commenter pour me poser plus de questions sur le jeu ou pour me dire un petit peu ce que vous avez apprécié dans cette review ou détesté, hein, par exemple. Je tiens à remercier les 300 abonnés, tout simplement parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, cela fait à peu près 4 heures que j'ai 300 abonnés sur ma chaîne. C'est pas mal. Puis voilà, n'hésitez pas à regarder, à aller faire un tour sur les chaînes des autres fans de Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le forum transformersfr.com pour plus de nouvelles concernant cette gamme-là, les gammes qui viennent ou les gammes précédentes, ainsi que toutes les autres sorties relatives aux Transformers qui arrivent en ce moment. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fan de format un jour, fan de format toujours, allez, salut!